Allez, François Hollande rentre de son voyage de 3 jours aux États-Unis. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur Hollande. Hey, good morning, everybody. Et bonjour aux cons qui sont pas bilingues, like me. I am very happy to see you. What a fucking good trip. Oh là, comme il parle. Vous avez vu, comme je parle bien américain, c'est Barack qui m'a appris. Le premier ministre est là, non? Oui, ça va, François. Toujours là, oui. Tu m'as écouté chez Jean-Pierre? J'étais bon, hein, j'avais pris 2 DK, j'étais au taquet. Jean-Pierre, il m'a gueulé dessus à un moment donné, il a failli se péter sa dernière corde vocale. Dis donc, François, j'espère que tu n'as pas oublié, tu m'as ramené mon cadeau, est-ce que tu m'as ramené mon Walkman que je t'ai demandé? Oh merde! Yeah. Oh, c'est plus grave que je pensais. C'est plus grave que ce que je pensais. J'ai 8 heures de décalage horaire, Jean-Marc, il a 30 ans dans les dents. Oui. C'est passé des trucs depuis le Walkman, Jean-Marc. Bon, écoutez, monsieur Hollande, dites-nous, vous êtes content de rentrer en France? Avant-hier, j'ai dit la Maison Blanche avec Barack et Michel. Oui. Je passe du caviar à la louche au bolino à la cuillère en plastoc. Je peux vous dire que ça calme. Hein. Hier, j'étais avec Mary G. Blige. Oui. Ce soir, je serai avec Jean-Marc Ayrault. Je me ferai réchauffer une pizza au micro-ondes en travaillant sur un dossier sur le chômage devant Louis la Brocante. C'est pas la même limonade, Mme Julie. Eh ben, on vous souhaite bon courage alors.